coin de la rue pour 2017. Super. Alors t'es à fond, à fond, à fond. Eh bien ouais, pas trop le temps de dormir là en ce moment. Ouais. Mais tant mieux, c'est ça qui marche. Ouais, le public est content, je suis ravi. Je me donne à fond. Voilà, alors les Stentors, on a commencé par ça. Si tu veux. Voilà. J'ai vu qu'il y avait deux types de spectacles, il y a Noël, c'est ça? Alors il y a même trois types de spectacles. Ouais. Il y a, ce que tu peux entendre, c'est les jets d'eau, tu vois. Voilà, alors on va les montrer deux secondes. Vas-y, vas-y, montre ça. Voilà. Hop. C'est les jets d'eau, c'est super sympa. Hein? C'est et presque Versailles. C'est presque... Versailles avec du soleil. Oui. Ça c'est encore mieux. Donc les Stentors. Oui, il y a trois spectacles qui tournent en ce moment, ou en tout cas qui vont tourner. Il y a le spectacle avec piano, la tournée intimiste qui s'appelle Entre nous, ouais, que nous tournons depuis quelques années, qui va se terminer en décembre. En décembre, il y aura une tournée de Noël, parce qu'il y a un album de Noël qui sort le 24 novembre. Et puis il y a la nouvelle tournée qui correspond à l'album que nous avons sorti en fin avril. Je ne sais pas si vous suivez tous. Hein. Oui, ça, Toi, tu suis. Moi, je suis. Bon, voilà. Donc il y a l'album Ma Patrie qui est sorti en avril. Et donc nous commençons la tournée à partir de janvier. Et donc toute l'année 2018, pendant pas mal de temps, nous allons faire un nouveau spectacle. Cette fois qui sera avec orchestre. Donc avec trois musiciens qui sera beaucoup plus rock que le concert actuel. Et toi personnellement, tu as aussi des actualités. Ouais, moi j'ai sorti un album en avril aussi, dédié à la vieille chanson française avant les yéyés. Donc, avant 65, Piaf, Brel, Beco, Reggiani, Patachou, Trainé, Brassens, Jacqueline François, Colette Renard, Jeannie Esposito. Donc des interprètes, un hommage aux grands interprètes avant 66. Là, donc cette semaine j'ai 5 spectacles autour de ça. Bien. Là tu le fais en piano voix. Là aujourd'hui c'est piano voix. Cette semaine c'était en début de semaine avec piano et accordéon, puisqu'Aurélien Noël qui a fait les arrangements, qui est champion du monde d'accordéon, m'accompagne sur les routes de France avec son accordéon. Oui, très bien. Et puis Carmen à tout prix, qui a fait un carton à Avignon. Alors ça on n'arrête pas en effet. Mmh. On a une date du côté de Valence le 28 octobre. Mmh. Et puis, une date à Agen un peu plus tard. Et puis, on attend pour un théâtre à Paris. Donc, ce qu'on va dire pour Carmen, c'est que, bon, on n'a pas fini d'en parler. Après les 5 mois à Paris, après le Festival d'Avignon où la salle était complète quasiment tous les jours, bien voilà, on va tourner en France. Bon, bah écoute, on va te laisser travailler parce que je crois qu'il faut que tu ailles manger, que tu te prépares pour cet après-midi. Oui, cet après-midi, la salle est complète avec plus de 500 personnes. Donc, voilà, il va falloir être au rendez-vous. Voilà, mais bon, tant pis. Hein. Un café, deux cafés, trois cafés, puis ça va partir. Et demain, tu repars sur les routes. Demain, ce sera répétition à Paris. Voilà. C'est un truc de fou. C'est ça la vie d'artiste. Allez, Mathieu, salut. Ciao.